beaucoup de gens très tristes, j'ai vu beaucoup de gens affectés, touchés, comme si Paris était encore le siège des flammes, le siège de la souffrance, le siège de la douleur, le symbole d'un monde qui change et d'un monde qui souffre de ce changement. Et la matière se désagrège, elle vieillit, elle s'effrite, et on doit dépenser énormément d'énergie pour pouvoir la maintenir en l'état, parce que naturellement, les choses se rendent à la terre. Et je pense que ce qu'on a peut-être un peu mis de côté dans notre société moderne, c'est cette impermanence. Ce monument qui fêtait il y a peu de temps son 850e anniversaire aura brûlé en seulement quelques heures. Cet événement nous remet en position d'humilité face à la nature et face à la grande force que représentent les éléments. Dans ce monde, rien ne reste et rien ne perdure. À l'image de cette cathédrale qui en une nuit a pris feu, on peut prendre du recul sur toutes les choses auxquelles on s'attache et qui finissent par disparaître. Tout ce que nous voyons aujourd'hui qui nous paraît acquis dans nos villes peut à n'importe quel moment disparaître et les gens avec. Il faut garder en tête que les éléments sont plus puissants que nous et qu'on doit rester humble face à la vie. Par chance, cette catastrophe n'a connu que très peu de blessés et aucun mort. J'aimerais par cette vidéo vous inspirer à tirer une philosophie positive et à essayer de voir dans ce qui est aujourd'hui considéré comme un drame, une opportunité de prendre du recul sur nos propres attachements et une opportunité de méditer sur la question de l'attachement et sur la question de l'impermanence.